Est-ce que vous savez ce que ça veut dire EPI? J'ai bien ma petite idée. Vas-y, je t'écoute. Espace piéton intergalactique. Bien tenté, mais non. Les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle, comme les chaussures, les gants, les casques. Normalement, c'est votre agence qui fournit casques et chaussures. Le reste est géré par l'entreprise, qui doit fournir le même niveau de protection qu'à ses salariés. Première chose, demande à ton agence et à ton entreprise ce dont tu as besoin. Perso, je trouve qu'on n'est jamais trop prudent. Par contre, c'est pas très pratique avec ces gants. Une surprotection peut au contraire créer le danger, en l'entendant pas arriver par exemple. Alors, voilà. Ouais, ok. Et même si tu as réellement besoin de gants ou de casques, choisis-les bien selon ton activité. On porte pas les mêmes gants pour manipuler des produits dangereux ou pour découper des éléments. Et pour finir sur le casque, garde bien en tête que c'est le seul EPI qui est comme les yaourts. Ça se mange ? Il y a une date de péremption. Et un casque qui a reçu un coup, c'est un casque mort. Faut le changer. Quand tu as enfin identifié ce qu'il te faut, prends bien la bonne taille. Avec des chaussures trop petites, t'auras mal aux pieds. Si elles sont trop grandes, tu vas choper des ampoules. Attends, c'est pas fini. T'as les bonnes chaussures, c'est la bonne taille, mais ça sert à rien si tu les portes comme ça. Des lacets, ça se lasse. Il y a un indice dans nous. Chef, c'est fait, chef. J'aime mieux ça. Ah, et oui, une dernière chose. Autant en prendre soin, non? Alors, tu les conserves pas trop près d'une source de chaleur. Et puis, tu peux faire respirer un peu tes chaussures et les désodoriser de temps en temps, c'est pas interdit, hein? Et quand tes équipements sont vraiment usés, n'hésite pas à en demander d'autres. Maintenant, si tu veux en savoir plus selon ton métier, regarde mes vidéos bonus. À plus, les sportifs!